Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet aussi passionnant que complexe et controversé. Puisqu'on peut être d'accord sur une seule chose, personne n'est d'accord. Essayons donc, au lieu de donner un avis tranché, d'éclaircir le propos. Et rappelez-vous bien une chose, la Révolution française n'a jamais été créée pour remplacer le pouvoir monarchique par une démocratie. Ce qui était souhaité, c'était des changements, mais pas de ce type-là. La Révolution française, c'est une accumulation de facteurs qui, à la fin, ont donné une volonté de changement et de faire ressentir ce mécontentement. Déjà, on peut parler du mouvement des Lumières. Le mouvement des Lumières, il est une cause primordiale dans la Révolution française, mais pas vraiment comme on pourrait le penser. Ce mouvement ne cherchait en aucun cas la liberté ou la fraternité de chacun. Il ne tentait pas de trouver une forme de rationalisme dans ce monde irrationnel. Et pour prendre un exemple, je vais prendre un homme français qui est très certainement l'homme le plus connu à l'échelle nationale. C'est Voltaire. Voltaire, c'est le penseur des Lumières par excellence à la française, avec Zadig en 1747 par exemple, Candide en 1759 et le traité de la tolérance en 1763. Pourtant, il écrit ceci dans l'une de ses correspondances en 1766 à monsieur Damilaville. Je vais regarder vers le bas, c'est que je ne connais pas le texte par cœur. Je crois que nous ne nous entendons pas sur l'article du peuple, que vous croyez digne d'être instruit. J'entends par peuple la populace, qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyen ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Il mourrait de faim avant de devenir philosophe. Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous faisiez valoir comme moi une terre, et si vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis. Ce n'est pas la manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois. C'est l'habitant des villes. Tout est dit dans ces quelques lignes. Alors on pourrait bien sûr dire que c'est les paysans qui sont l'origine de la Révolution française. Mais non, il ne savait ni lire ni écrire et n'était pas assez instruit pour convoquer les états généraux. Il n'était pas représenté et leur révolte était toujours réprimée. Maintenant, venons-en aux bourgeois. Alors déjà, qui étaient les bourgeois à cette époque-là? Qui désignait-on par les bourgeois? Il s'agit d'individus qui, de par leur naissance, appartenaient aux tiers états, mais qui, par leur fortune ou leur train de vie, leur permettaient de s'élever dans la hiérarchie sociale, sans pour autant atteindre la noblesse qui était réservée à une élite. Hein. C'était très restreint, c'était seulement une petite partie de la population qui avait la connaissance, la richesse et le pouvoir. Et ce nombre de bourgeois augmenta fortement les 20 années précédant 1789. Et la volonté de Louis XVI de faire des réformes les fit réagir. En 1776, Louis XVI déclara, une nouvelle fois j'ai regardé vers le bas pour lire le texte, « En forçant le pauvre à entretenir seul les routes, en l'obligeant à donner son temps et son travail sans salaire, on lui enlève l'unique ressource qu'il ait contre la misère et la faim pour le faire travailler au profit des riches. » Oui, une nouvelle fois, c'est bien Louis XVI qui dit ça. Tout à l'heure, on est étonné de Voltaire, maintenant c'est de Louis XVI qu'on est étonné. La bourgeoisie qui possédait alors les rouages de l'administration et de la justice se montra bien féroce. La crise du XVIIIe siècle était aussi un bon moyen pour la bourgeoisie de changer l'ordre établi, afin d'obtenir davantage de droits. On distingue deux types de bourgeois qui étaient favorables à la Révolution française. D'une part, il y a ceux qui voulaient la chute de la monarchie et un libéralisme de propriétaires. D'autre part, il y a ceux qui voulaient la chute de la monarchie, mais cette fois-ci pour partager le pouvoir avec le roi et faire face aux lois de réforme fiscale qui allaient voir le jour. En d'autres termes, des libéralistes aristocratiques. Tous les députés sans exception qui sont allés aux états généraux pour le tiers-état étaient des bourgeois. Ils cherchaient donc, en d'autres termes, à avoir plus de droits. Et ils se moquaient très certainement du bas-peuple. Néanmoins, les paysans ont quand même réussi à se faire entendre aux états généraux, alors que les ouvriers ont complètement été oubliés, étaient mis de côté, et c'est eux les grands perdants de la Révolution française. Ainsi, si c'est le tiers-état avec les paysans qui sont allés faire la Révolution, c'est bien la bourgeoisie qui l'a engendré et qui en a profité. Le 4 août 1789, c'est l'abolition des privilèges. On peut se dire que ceux qui avaient de nombreux droits auraient pu être déçus de perdre tous leurs privilèges. Mais en réalité, pas vraiment, parce que leurs droits qui leur apportaient le plus de richesses ont quand même été gardés. Ils perdirent leurs droits sans trop de désolement. Et par la suite, tous les membres de la Convention étaient des bourgeois. On peut citer Saint-Just, Danton ou encore Robespierre. Hein, Robespierre qui est le fils d'un avocat à Arras. S'ils commencèrent à s'entretuer, c'est à cause de la pression des clubs et de la foule. Mais ça veut dire que les bourgeois étaient l'unique cause de la Révolution française. Mais non, il y en a plusieurs. On peut citer par exemple la crise économique qui sévissait grandement le pays à ce moment-là. Plein d'autres facteurs sont aussi à l'origine de la Révolution française, qu'ils soient complémentaires ou majeurs. On est alors obligé de citer la dette française. Et on peut certainement dire que la Révolution française était une révolution financière. Bien sûr, les finances de l'État français qui étaient dans le rouge, ça c'était habituel. Hein. On avait l'habitude d'avoir une dette.
Mais ce qui était nouveau, c'était son ampleur. La dette des années 1788-1789 était sans précédent. En 1788, les dépenses de l'État ont été de 610 millions de livres, avec 320 millions de livres seulement pour rembourser sa dette aux pays étrangers. C'est énorme. Et ses recettes ont été la même année de 503 millions de livres, soit un déficit de 117 millions de livres. Encore une fois, c'est énorme. La dette française totale en 1789 était de, tenez-vous bien, 4 milliards de livres, soit plus de 80% du PIB. Il y aurait alors très certainement eu le réflexe de vouloir changer de système afin de réduire cette dette, même si les gens n'étaient évidemment pas d'accord sur le système à adopter. On peut citer par exemple les années précédentes 1788, des récoltes désastreuses qui amenèrent notamment à des famines. Ainsi, on peut pas le nier, les bourgeois ont eu un rôle majeur dans la Révolution française, hein, un rôle capital. Néanmoins, c'était pas la seule cause, hein, il y en avait plein d'autres. Et c'est la somme de tous ces petits bouts qui ont fait que, à la fin, la Révolution française a eu lieu. Et il y en a très certainement un d'entre eux qui était la goutte qui a fait déborder le vase, tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la Révolution française. Je vous dis à la prochaine. Salut.